deux semaines de cela face à 2-1 et attention avec Villefranche qui commence à marquer son territoire et déjà un premier but. Oh, il a pas traîné ce but de Villefranche avec un premier ballon récupéré là dans la foule. Bien fait de la part d'Enzo Real de laisser passer le ballon. Enzo Real dans la surface de réparation. Enzo Real et 4-1, réduction du score magnifique hein, d'Enzo Real, l'ex-joueur lyonnais Laurent. Oui. Magnifique cette ouverture du score avec ce ballon. C'était le but. Magnifique. C'est qui en plus, je crois, qui fait Le but de Casquet. Il marque ce but. Et non, la sortie de Guendouz, le lob tenté pour la réduction de l'écart cristallienne. C'est très très bien joué. Par Robinet, oui, et il y a peut-être un coup à jouer là avec Maxime Blanc. La frappe de Robinet, il est magnifique ce but caladois. Il est signé de Robinet, ça fait 1-0 pour Villefranche-sur-Saône. Forcément. But magnifique. Oh là là là. Ah, ça devient trop dur, ça devient trop dur. Et c'est Saïd Arab qui vient marquer le quatrième but. Dans la lucarne de Louis Souchot, ça fait 1-0 pour Villefranche. Ce ballon qui traîne dans la surface, attention à la frappe de Naab. Et le but, l'ouverture du score ici. Moustapha Naab, on joue depuis 8 minutes 30 ici à Dunkerque. Vers passant Oscar pour Boudou, il est dans une bonne position devant. Et il marque un but de génie, Dimitri Boudou, il marche justement. Et le but, eh ben, tu le disais Laurent, à l'instant que Ajaccio défendait bien, ils ont repoussé l'échéance depuis très longtemps. C'est Rémi Sergio qui vient doubler la mise. Pierre en 1 contre 1. Bon jeu de la part de Pierre, pourquoi pas une tentative. C'est bien fait. Décaler Foulon. Foulon dans la surface de réparation, la frappe de Foulon. Oh le but! Quel but de Gwen Foulon. 87e minute de jeu, très exactement. Et Foulon qui a armé une frappe soudaine dans cette surface de réparation. Le ballon qui fait un appel. Ouais, la frappe pour le but. Oh, le but. C'est le but de la victoire. Ah, c'est magnifique. C'est encore lui. Il est énorme. Mehdi Chahirou. Marche sur l'eau, littéralement. Et le but, super le but de Julien Djani qui ouvre le score ici à Dunkerque. Oh les belles, elle est superbe cette frappe de Julien Djani. Ballon récupéré avec la frappe côté gauche avec Sekou Keita. Quel but, l'ouverture du score pour la formation du stade olympique de Cholet qui ouvre le score 1-0.
tenter sa chance. Et Rémi Sergio, finalement qui égalise. On le disait, les petits joueurs, pétri de talent dans cette équipe de Villefranche. Auparavant, Rivas Parwani qui arrive à contrôler, et la frappe de Rivas Parwani et l'égalisation. Quel but signé Jonathan Rivas Parwani. Le contrôle, la frappe, tout est splendide. Et l'égalisation déjà après 10 minutes de jeu. Le centre du gauche. Et Jimmy Roy, il peut prendre sa chance. Oui. Oh, pop. La réduction de Jimmy Roy, le guerrier, le combattant. Et bien qui donne l'exemple à ses coéquipiers. Offensive hein, pour cette formation. Quel but! Quel but d'ouverture du score pour l'US Boulogne Côte d'Opale qui ouvre le score sur cet exploit personnel. Par Gaëtan Lorrain qui va faire le but. Le deuxième but de QRM. Il est beau, encore une frappe de Gaëtan Lorrain. Et ça fait 3 buts à suivre. Qui en a la surface de réparation, Coulerval. Oh, le but. Le deuxième but du Gerrois avec un festival de la part de Rafik Coulerval, innocent. Il est fort, magnifique ballon, il a bondi, il a bondi, magnifique attaque, il a bondi, face à Kevin Renaud, il a bondi. Oh là là, oh, c'est magique. Le festival, le but, le festival, le calice jusqu'à la ligne. Franck Beaujolais, c'est sublime pour son retour. Guillaume Mogui qui fait lever Toulon, qui fait lever le stade. Toulon 3, puis Franck Beaujolais 0. Récupéré par Clomel, Gébélé, Travelsi, on essaie de jouer avec Kevin Rocheteau. Kevin Rocheteau entre deux joueurs boulonnais, Kevin Rocheteau qui force, et Kevin Rocheteau, l'extérieur du play qui égalise. Oh, il est beau ce but, il est beau, il se l'est construit totalement tout seul, Kevin Rocheteau. Ah, ça va vite ici au stade de la Libé, ça fait déjà un partout. Attention, là Otsumo dans la surface de réparation, Otsumo face à Campagne, il est passé, Otsumo, Otsumo qui va frapper, la frappe de Otsumo, et nous reste le score. Il a failli les rester debout avec Chamal qui est passé, Chamal, la frappe de Chamal, et le doublé pour l'attaquant boulonnais. Ah, il nous a fait un récital, un festival de petits ponts. Oh, c'est bien joué ça. Il arrive face à Dimitri, il tient passé. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est un but exceptionnel. Légalisation disputée sur un véritable raid solitaire de Chiku Keita et qui a égalisé au bout du temps additionnel de cette première période. Quel but! Qui a posé le ballon, c'est lui qui va tirer. Et bien tiré, il inscrit le deuxième but. Oui, il est beau ce but là aussi. Un coup franc direct de la part d'Alexandre Durimel. Le doublé ce soir du capitaine. Pour l'ami Gaï, c'est magnifique. Et c'est Pierre Lucarne. Je vous l'annonçais, c'est un diable ce l'ami Gaï. C'est le joueur le plus décisif du championnat national. Et il vient une fois de plus de... Parce que vraiment il a fait beaucoup de mal.
célébration magnifique. La matière, ce but est splendide, bien évidemment. Et il est l'œuvre de Valentin Lavigne, qui vient débloquer le